This is Annabelle Gaberti and you are listening to Lawfully Creative, my podcast to talk with professionals in the creative industries to hear their stories, what inspires their creation, what decisions change their careers, what relationships influence their work. Today's episode is brought to you by Crefovi, our London and Paris-based law firm focused on advising the creative industries. Subscribe to our podcast, Lawfully Creative, or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please do leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our curated content. Thank you. Bonjour Malik, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi du retard. Je voulais m'assurer que j'étais bien sur Ethernet, etc., sur le câble Ethernet. Et donc, D'accord. Voilà. Alors, aussi un autre truc que je voulais vous dire, c'est que je me suis démonté le dos hier en faisant un cours de yoga Ashtanga sur Zoom. Ouais. Donc, si je grimace, c'est pas vous. C'est juste que vous avez mal. Voilà. Ok. Pas personnel, hein. C'est juste que voilà. Et c'est quel yoga vous dites? Ashtanga, c'est assez dynamique et voilà, je très grosse douleur en bas du dos. Donc voilà. Il faut changer de type de yoga alors. Mais je fais différents types de yoga. Ce qui est fantastique avec ce centre, c'est que on peut faire du vinyasa, du yin, qui est très calme, voilà, différents types de yoga. Mais là, hier soir, c'était le ashtanga. Ok. Voilà. Bon, ben, alors, désolé. Bon, non, voilà. Enfin, je voulais juste vous prévenir, quoi. Le prenez pas personnellement si je fais. Alors j'ai préparé quelques petites listes de questions. Je vais juste, oui, c'est bon, ça enregistre. Ça me dit là-haut que ça enregistre. Oui, je vois aussi, ouais. Ouais, voilà. Ce serait dommage sinon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà. Donc j'ai préparé. Ah, je voulais vous montrer un truc. Donc si vous voulez, quand vous voulez, on commence. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Ouais. Je vais vous montrer un truc. Ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est une Yamaha. Ouais, c'est ma flûte que j'ai depuis que j'ai 9 ans, parce que j'ai commencé la flûte à 9 ans. Donc, c'est une étude Yamaha et donc, bon, moi, je suis… 281S? Pardon? 281S? Ben, écoute… C'est... IFL 281S. Bravo, tout à fait, 281S. Et je l'avais acheté chez Feeling, rue de Rome, ouais. Avec mon père, je crois, un samedi, avec ma mère. C'est la flûte sur laquelle j'ai commencé aussi. Voilà, alors justement, ma première question, c'était maintenant, vous jouez sur quoi? C'est une question d'actualité, parce que je viens tout juste de revenir à mes premières amours, justement. J'ai joué pendant longtemps sur une Pearl. Ok. Que j'avais... je sais pas. D'accord. C'est peut-être américain. J'en sais rien. Ok. Je crois que c'est américain, oui. En fait, donc j'ai joué pendant, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années, là. Sur une Pearl que j'avais eue parce que bon bref que j'avais eue par il m'avait fait un sponsoring. Très bien. Donc j'avais eu la flûte un peu moins chère que si je l'avais achetée neuve. Enfin elle était neuve mais puis j'aimais bien la sonorité. C'était une sonorité très assez large avec pas mal de souffle. Donc j'aime bien. Et là, je viens de changer. D'accord. Je viens de changer. J'ai trouvé une Yamaha d'occasion. Donc, elle est. Oui. C'est une 383. Ah ouais? Mais. Silverhead. D'accord. C'est une 383. Elle a été fabriquée apparemment en 98. D'accord.
elle a appartenu à un musicien amateur. Et donc, je l'ai eu pour pas trop cher. Je l'ai eu pour 1 200 euros retamponnée et nettoyée, alors que neuve, elle vaut 3 000 et quelques, je crois. Fantastique, belle affaire. Et donc, voilà, donc c'est tout nouveau. Donc là, cette semaine, je suis en train de la découvrir un peu, quoi. Et vous avez toujours votre perle, ou vous aurez maintenant plus que cette flûte Yamaha? Ouais, j'ai toujours la perle, ouais. Mais bon, la perle, elle passe vraiment comme flûte de rechange, si jamais j'ai un problème, quoi. Mais j'ai toujours qu'une seule flûte, j'ai jamais eu vraiment de flûte, une flûte de rechange, etc. Mais voilà, mais je suis assez content, ouais. Elle est assez différente de l'autre. Et c'est marrant parce que quand j'ai été essayer les flûtes, c'est vrai que ben, quand je souffle dans une Yamaha, il y a, je sais pas, peut-être que parce que j'ai commencé avec cette perce là. Ouais. Il y a un truc assez un peu plus immédiat qu'avec. Ah mais flûtes. En fait, ne rougissez pas, hein, mais j'ai un compliment à vous faire. Je pense que vous avez probablement le plus beau son de flûte que j'ai jamais entendu de ma vie. Moi, en fait. C'est gentil. J'ai étudié au conservatoire de Suresnes, conservatoire de musique de Suresnes, avec madame Nathalie Cotte. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous la connaissez. Qui, non, je ne connais pas. Elle faisait, bon, je suis plus en contact avec elle maintenant parce que le temps a passé, mais elle travaillait notamment avec Dutron, et elle faisait en fait la, vous savez, quand il fait la musique, ah. Il y a un gros super solo de flûte, et elle, notamment durant ses concerts, elle l'accompagnait pour, entre autres, hein, mais donc elle faisait. D'accord. Voilà. Donc. Elle faisait le solo. Pardon. Elle rejouait le solo qui avait été joué sur l'enregistrement. Voilà. Donc elle faisait ça durant les concerts de Dutron sur Paris. Et bon, elle avait un beau son, et c'est vrai que moi, elle m'a toujours fait travailler mon son afin qu'il soit pas venteux, etc. Et c'est vrai que mais vous, je crois que je vous ai découvert grâce à FIP, probablement, parce que quand je suis à Paris, en France, j'écoute beaucoup FIP, et il vous aime bien, donc je pense que c'est comme ça que je vous ai découvert. En plus, comme j'étais flûtiste amatrice, et après, je crois que je vous ai vu 3 fois en concert. Donc une première fois à Paris, mais je me souviens plus du tout du contexte, c'était probablement il y a 20 ans. Après, une fois à Nice. Dans un comment dire, dans une espèce de une très jolie petite maison de jeunes, je ne sais quoi, qui a signé juste à côté du conservatoire dans le haut de Nice, et moi j'ai un petit appartement en fait qui est juste en face, et tu me dis ah, Magic Malik passe et tout, je vais aller le voir. Donc là, je vous avais vu à Nice aussi à ce moment-là, mais c'était encore une fois il y a un certain temps. Ça remonte. Il y a bien 10-15 ans. Et la dernière fois, c'était il y a 2 ans, hein, tout ce bazar de Covid, au musée du Quai Branly, puisque en fait, moi, je suis partie du cercle. Ah oui, d'accord. Ah, et le son aussi que vous aviez durant ce concert, c'était fantastique. Donc, c'était plus de la musique africaine cette fois-ci, que jazz. Et c'était là, franchement, j'ai constaté effectivement que vous avez un des sons les plus purs que j'ai jamais entendu de ma vie à la flûte. Voilà, je me permets. Hein. Pourtant, c'est le travail du son que j'ai, il va vers le souffle. Hein. C'est pas au contraire, c'est pas un son dont j'ai enlevé le souffle. Au contraire, c'est un son. Dans lequel j'ai remis du souffle. Ouais, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, parce que en fait, Nathalie Cotte, elle m'a toujours fait beaucoup travailler mon son, et le fait et moi, pendant 10 ans, avant de lancer mon cabinet d'avocat Crifovie sur Paris et Londres, donc j'étais toujours à Londres, et je faisais partie d'un ensemble de musique donc il y avait des flûtistes, notamment évidemment des flûtistes anglais, parce que c'est à Londres. Et il y a un truc que j'avais constaté, c'est qu'ils étaient fantastiques. Alors, il y a des plus et des moins. Ils étaient fantastiques en side reading. C'est-à-dire que tu leur mettais une partition en face, ils n'avaient jamais vu de leur vie. Ils étaient immédiatement capables de la déchiffrer et de jouer le truc. Parce qu'ils anticipent toujours, ça s'appelle le side reading. C'est-à-dire que, je sais pas comment ils font, mais ils lisent, 3 ou 4 secondes avant les notes qu'ils vont jouer 3 ou 4 secondes après. Donc ils sont toujours complètement à peau et tout, donc ça s'appelle le side reading. Ils sont très doués en side reading, mais par contre leur son
et hyper venteux. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait aucun travail sur le son. Et donc, à chaque fois qu'ils jouent, c'est... Enfin, c'est vraiment... Okay. Et moi, j'écoutais ça. Alors, bon, par contre, j'étais nulle en side reading. Moi, il me fallait plus de temps pour arriver à préparer la partoche. Mais à la déchiffrer. Mais par contre, mon son, c'était quand même un peu plus travaillé, quoi. Plus travaillé, ouais. Voilà. Surtout quand on passait les examens, etc., tu pouvais pas avoir un son qui faisait tout le temps, sinon tu faisais retoquer à l'examen, quoi. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire par venteux. Mais après, peut-être que vous avez une autre définition de venteux, en fait. Non, c'est juste qu'effectivement, je vais pas chercher un son comme ça. Ouais. Plutôt chercher à. Ah, mais quelle pureté! Avec du souffle, quoi. Ouais. Ou un son assez simple. Je pense qu'en fait, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient du mal à travailler l'embouchure au niveau de comment tu souffles dans ton embouchure. Et je pense qu'à chaque fois, ils soufflaient à moitié. Mais je parle de mes collègues anglais quand j'étais dans. Oui. Je pense qu'ils soufflaient une grosse partie en dehors de l'embouchure, donc ça faisait. Oui. Ah, il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est que vous n'êtes pas trop pour les trémolos, vous. J'ai remarqué que vous n'aimez pas, parce qu'il y a des rampas, etc. Les bowling, ils aiment bien faire les oui, faire un peu, vous voyez, vibrer à la fin des vous êtes plus dans le son hyper cristallin, mais qui reste. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux trémolos? Ouais. Oui, mais en fait, c'est. C'est pas trop votre truc, non? Non, mais en fait, c'est lié aussi à la culture du jazz qui est on va dire, c'est une posture instrumentale où on est assez proche de la voix. Et en fait, dans le chant, quand ça chante dans les traditions chantées, on va dire noires américaines, ou en tout cas qui viennent un peu. Le trémolo, c'est pas trop un truc qui est très prononcé, quoi. C'est C'est plus classique. Et puis bon, quand j'ai ouais, voilà, c'est et alors que c'est aussi très prononcé dans le travail de la voix en classique, finalement. Donc, je pense que les instruments mélodiques se rapprochent souvent du vocabulaire, en tout cas de l'esthétique vocale. Et donc c'est normal que les flûtes en classique se rapprochent de l'esthétique vocale classique avec le trémolo, et qu'en jazz on est plus dans quelque chose, voilà, de beaucoup plus droit, beaucoup plus simple au niveau de voilà. Après, les trémolos, c'est souvent des trémolos de fin de phrase, tout à fait, qu'on va avoir. Le trémolo, il arrive à la fin de la phrase. Mais c'est vrai que c'est pas un trémolo, on va dire, automatique, quoi. C'est un trémolo qui va servir de, alors c'est vrai que souvent en classique, le trémolo va faire partie du son, à moins que ça soit indiqué sans trémolo, on va le mettre par défaut, un peu. Et voilà. Mais les choses ont peut-être un peu changé, hein. Je sais pas trop. Merci pour ce point de vue, en tout cas. J'avais jamais pensé à ça, qu'effectivement, c'était une question de culture au niveau de la. Oui. Et puis, je me souviens aussi d'une citation de Miles Davis qui m'avait assez. Parce que Miles, par exemple, il a un son très très droit à la trompette. Et je pense qu'il y a aussi eu, à un moment donné, un parti pris chez certains instrumentistes d'aller vers un son très droit aussi, hein, d'accord, pour se démarquer certainement, ou pour, je sais pas, peut-être pour manifester une certaine austérité ou quelque chose comme ça. Et Maët, il disait, j'aurai tout le temps d'avoir du trémolo quand je serai vieux, parce que j'aurais pas le choix, et donc mon son tremblera, alors j'aurais du trémolo à ce moment-là. Et donc quand j'ai bossé mon son après... Moi qui étais fière de mon trémolo, ça me l'a un peu...
Pardon. Et non, il n'y a pas de souci. Et donc, oui, c'est vrai qu'on, par défaut, on essaie de travailler un son pour faire de l'expressivité sans trémolo. Voilà, essayer d'avoir de l'expressivité sans trémolo, ce qui n'est pas évident. Et alors, à ce propos de différences culturelles, j'ai regardé, alors j'ai fait beaucoup de recherches hein, sur votre profil. Et d'ailleurs, bravo, félicitations, depuis la fin du confinement et depuis l'année dernière, vous avez un site internet en place maintenant. Non, mais c'est bien, félicitations, parce que l'année dernière, vous n'aviez pas ça, donc ça donne toutes les informations importantes, sur notamment sur tous vos albums, etc., donc ça, c'est chouette. Mais ce que je lisais, en fait, sur votre CV, qui est dans ce... Vous êtes téléchargeable sur votre site, si je me souviens bien, c'est magicmesadri.com, hein, c'est ça ? Magicmalik.fr, je crois. Magicmalik.fr, pardon. C'est qu'en fait, donc, la majorité de vos études, vous les avez faites au conservatoire, dans un répertoire plus classique au départ. Quand vous étiez à Pointe-à-Pitre et après à Marseille, où vous êtes sorti avec d'ailleurs le premier prix du conservatoire, c'était essentiellement du classique que vous étudiez à l'époque, n'est-ce pas ? Alors, le classique, c'est, j'ai étudié le classique à partir du moment où j'ai rencontré Marc Rovellas, le professeur qui m'a un peu ouvert les antennes. D'accord. Et qui a fait en sorte que j'ai conscientisé un peu ma passion pour la musique, qui était plutôt inconsciente avant. Donc ça, c'était vers l'âge de 16 ans peut-être. Et 15 ans. Et donc avant, le classique faisait pas trop partie de mon environnement musical. Mais alors, vous jouiez quoi avant? Avant, je jouais comme ça. Je jouais pas vraiment très sérieusement, en fait. Vous improvisiez avant? Vous étudiez pas les partoches de, je sais pas moi, Mozart? Non. Non. En fait, ouais. En fait, on va dire que mon enfance musicale a été mon rapport à la musique, je pense que je mesure maintenant que ça a été une chance, mais mon rapport à la musique a été assez préservé, on va dire. C'est-à-dire que il n'y avait pas de poids, enfin, l'aspect pédagogique intervenait de façon assez légère et intervenait de façon assez, on va dire, je dirais pas ludique, mais oui, c'était. J'allais à l'école de musique comme on va faire de la sculpture ou du dessin quand on est enfant, parce que ça fait du bien d'aller faire un peu une activité artistique, quoi. Ouais. C'était pas. Ouais, c'était pas. En fait, c'était pas soumis à, on va dire, une évolution à des diplômes, l'obtention de prix. C'était vraiment, ça n'avait rien à voir avec l'école, on va dire, d'accord. Parce que franchement, moi, quand je faisais mes diplômes, parce qu'en fait, j'étudiais le piano et la flûte quand j'avais, et après j'ai laissé tomber le piano et je me suis consacrée qu'à la flûte. Mais honnêtement, quand j'allais à mes examens de fin d'année, j'en tremblais. Hein. C'était pas du tout cool. C'était. Et alors, en plus, le problème, je suis d'accord avec vous, c'est toute cette institution française du conservatoire, c'est cool, ça t'apprend effectivement le solfège, lire les partoches, donc la théorie, tout ça. Mais le problème aussi, c'est qu'après, ça t'apprend pas de la créativité. Ça t'apprend effectivement à exécuter une partition, mais ça t'apprend pas du tout la créativité. Donc, en tout cas, moi, au niveau où j'étais, hein, je crois que je me suis arrêtée au moyen 1 ou un truc comme ça. Mais donc, en fait, tu t'apprends pas à improviser. Et la seule chose que tu fais, c'est que tu deviens un bon exécutant. Voilà. Mais bon, enfin, un bon interprète, je sais pas. En tout cas, t'interprètes. Mais effectivement, après, enfin, moi, j'ai jamais, par exemple, fait de la composition, etc., etc. Et je trouvais que c'était très rigide, quoi. C'était la seule chose qu'on te demandait, c'était d'être un bon exécutant, justement, bien savoir faire. Oui, après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi, du coup, la dimension d'improvisation, elle se retrouve dans la nuance que vous venez de faire
entre exécutant et interprète. Peut-être que justement, dans l'interprétation, il y a une dimension de créativité, alors qui est pas la même que quand on improvise, on va dire littéralement, avec le matériel littéral de la musique, quoi. C'est-à-dire l'ordre des notes, la fonction des notes qu'on fait dans un cadre, on va dire, en fonction d'un environnement choisi. Ça peut être un environnement tonal, modal, sériel, n'importe, que sais-je. Je pense que je pense que ceux qui deviennent des interprètes, c'est ceux qui passent à travers les gouttes, justement, de cette pression, on va dire, académique. Donc, moi, j'ai eu la chance de pas y être soumis quand j'étais, voilà, donc. Qu'à 15 ans. Donc, mon rapport à la musique, c'était, j'ai d'ailleurs voulu arrêter plusieurs fois quand j'étais enfant. Ah ouais. Parce que c'est. Heureusement que vous n'avez pas arrêté. Parce que j'en avais marre d'aller tous les mercredis à l'école de musique, etc. Ah ouais. Et il y a eu des fois où j'ai dit à ma mère, ouais, est-ce que vraiment, parce que moi, ça me suffisait de jouer de la flûte à, c'était de la flûte à bec que je jouais surtout. Uh-huh. Ça me suffisait de jouer à la maison quand j'en avais envie, sur des morceaux qui passaient à la radio ou tout ça. Je me disais, c'est pas la peine que j'aille à l'école. Ah ouais, vous écoutiez les morceaux et après vous les refaites. J'aimais bien jouer par-dessus ou j'aimais bien les refaire. Donc. Et quelle bonne oreille. Ma mère m'a toujours dit non, tu continues, c'est toujours bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Une femme pleine de sagesse, bravo. Voilà. Je lui transmettrai. Et elle, et donc en fait, ouais, donc ça ne vous a jamais particulièrement attiré d'être genre le premier flûtiste d'un ensemble à la Emmanuel Pahu. Je pense que c'est plutôt passé dans l'esprit de ceux qui m'entouraient dans ma famille, qui m'ont permis de venir en France, de m'inscrire à ce conservatoire. Et qui m'ont encadré dans le travail de préparation du concours, etc. Je pense que leur ambition était, on va dire, peut-être plus, entre guillemets, reliée à la musique écrite occidentale, vu que, bon, j'ai rentré au conservatoire, que j'étais un bon élève. Et donc, je crois que peut-être eux se sont plus imaginés que une direction, pour moi, ça aurait été, justement, bon, de passer des concours, de rentrer au supérieur, puis de devenir flûtiste solo, émérite et reconnu, mais en fait... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est où? Quand est-ce qu'il y a eu le switch? Mais en fait, moi, j'ai jamais eu vraiment d'ambition particulière. En fait, mes ambitions étaient très très locales. Mes ambitions étaient très localisées autour de la flûte et parfois juste de ce que je devais faire chaque semaine devant merde, j'ai un trou de mémoire, bref, ça va me revenir. Vous voulez dire dans le cadre de votre cursus, dans le cadre, oui, de ce que demandait le prof? Oui, voilà, de ce qu'il me demandait chaque semaine. Donc j'essayais de faire en sorte que chaque semaine, quand j'arrive au cours, j'ai Jean-Louis Baumadier, voilà. Donc, mon ambition. Ça, c'est à Marseille. Oui. À partir de 15 ans. À Marseille. Mm-hmm. Je suis rentré à 17 ans. Donc, entre 15 et 17, j'ai travaillé la flûte de façon à avoir le bagage pour venir au conservatoire. Ça vous a pas fait un gros choc de partir de Pointe-à-Pitre et de venir dans la métropole comme ça? Ça vous a pas. Si. Ouais. Tu sais, c'était énorme, parce que d'un coup, effectivement, déjà, il y avait le poids de l'académie, et puis maintenant, on me demandait des résultats. Uh-huh. Mm-hmm. Alors qu'avant, bon, on ne demandait pas spécialement de résultats. Et vous êtes venu tout seul, ou il y a des membres de votre famille qui étaient sur Marseille, ou qui vous ont accompagné, ou... En fait, j'ai toute une partie de ma famille. Enfin, ma mère, elle est française, on va dire qu'elle est bourguignonne, en fait. Elle est de moitié bourguignonne. Ah, d'accord. Et avec aussi, mon grand-père
Bref, elle était, elle est. Il y a toute une partie de ma famille qui est en France en fait, enfin, qui est d'ici, du côté de ma mère. Mon tapis, c'est quoi? Et donc, c'est Martinique. Là, c'est Guadeloupe. Ah pardon. Donc, en fait, j'ai grandi en Guadeloupe. C'est pas grave. C'est mes parents qui sont allés. Nous, ils nous ont laissé, mon frère et moi, chez mes grands-parents quand ils sont allés en Guadeloupe. Et ils étaient effectivement. Ah oui, d'accord. Ouais, donc je suis jamais allé moi. Mais ouais. Oui, ok. Mais ils sont allés en Martinique, oui, ou en Guadeloupe? Eh non, ils sont engueulés en Guadeloupe, ils sont allés à Pointe-à-Pitre, là où vous étiez, ouais. D'accord, ok. Donc j'ai grandi en Guadeloupe. Oui, c'était un choc, ouais. C'était un choc déjà au niveau des dimensions. Hein. C'est le même choc qu'on a quand on vient d'ici et qu'on va aux États-Unis, hein, ou en Chine. On a un choc quand on quitte Paris et qu'on arrive dans les villes américaines ou chinoises. C'est vrai qu'il y a des dimensions qui sont pas les mêmes. Après, j'avais la chance aussi, je crois, pendant mes études en classique à Marseille, de ne faire que ça. Moi, j'étais pas scolarisé. D'accord. Parce que j'avais quitté l'école. Ok. Bon, donc, c'est pas grave, hein. Enfin, je tiens. Donc toute la semaine, je faisais que de la musique, alors que les autres élèves. Bon, après, j'avais un retard. Moi, j'avais pas fait tout le cursus qu'ils avaient fait avant. Donc bon, au niveau de la théorie, au niveau du solfège, au niveau de non, ben, j'avais un retard en rentrant quand je suis arrivé un peu en avance quelques mois avant pour recevoir les morceaux qu'il y aurait à faire pour rentrer au conservatoire et tout. On a eu une petite entrevue avec Jean-Louis Beaumadier qui a dit à ma grand-mère bon, il a un an de retard sur le niveau requis, donc j'ai dû rattraper cette année de retard pendant l'été. Mais le fait que j'ai que ça à faire pendant la semaine, j'avais pas non plus ni l'université ni rien. Ça rattrapait aussi le fait que les autres élèves, eux, avaient suivi aussi tout un cursus très méthodique. Voilà le cursus habituel qui fait qu'on arrive quand on arrive en fin de cycle, en fin de, moi ça s'appelait la médaille à cette époque-là. Bref, en tout cas voilà, en tout cas oui, j'ai fait du classique pendant 2 ans. D'accord. Et après j'ai dû en sortir parce que je retrouvais une dimension un peu scolaire finalement. Ouais, à laquelle j'étais déjà allergique à l'école, et qui commençait aussi à peser un peu. Vous êtes quand même donc sorti premier prix du conservatoire au bout de 2 ans. Oui, je suis sorti premier prix, mais je sentais que vraiment mon cœur, j'avais besoin de retrouver aussi justement ce rapport à la musique qui n'est pas cadré, qui est cadré juste par les intuitions et les envies qu'on a par rapport à voilà. Donc après je suis parti à Paris et puis là j'ai commencé à voilà, plus une période d'autodidacte. OK. Voilà, enfin, c'était la petite vingtaine là, vous aviez juste 20 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est à ce moment-là que vous êtes familiarisé avec des artistes américains futistes tels que Roland Kirk. J'ai vu que vous aviez le growl, vous étiez inspiré de Roland Kirk, qui joue donc tant à la flûte ainsi qu'au saxophone. Ouais, en fait, non, à part on va dire des influences très spongieuses, employer ce terme-là, qui me venait plutôt de John Scofield, de Pat Metheny, de John Coltrane, de choses comme ça, de Michael Brecker à l'époque. J'ai pas eu réellement d'influence directe en fait dans mon parcours. J'ai fait beaucoup d'introspection en fait. Je me suis plus fabriqué par rapport à des introspections, par rapport à des un regard sur moi-même, de savoir d'être très clair sur ce que je voulais en musique, même à tous les niveaux, au niveau du son, de la technique,
plus générale de l'improvisation, de la composition. Après, j'ai été aidé. Honnêtement, je peux me permettre d'interjeter. C'est vrai que c'est totalement unique ce que vous faites. Hein. Vous avez vraiment découvert et développé un pan de la pratique de la flûte qui est vraiment unique. C'est vraiment une niche vraiment unique que vous êtes créée. Peut-être. Vous n'avez rien à voir avec Sharon Bezali, Emmanuel Pahut de ce monde. Quoi. C'est vraiment... Oui, après, ce sont même des gens vraiment... Même Roland Kirk ou Bobby Humphrey, je crois que la fille, elle s'appelle Bobby Humphrey, elle est intéressante aussi. C'est pas du tout le même style, quoi. Ce que vous avez fait, ce que vous faites, c'est vraiment complètement unique. Pardon. Peut-être, mais on va dire que c'est personnel, en tout cas. Mm-hmm. Et donc, après, oui, il y a eu des influences comme ça, et puis aussi les influences des gens que j'ai rencontrés, hein. Nelson Verras, Denis Guivarch, le groupe Human Spirit, etc. Bon, il y a eu, mais et encore maintenant, c'est quand même ce qui construit ma musique, c'est plutôt de l'introspection. L'introspection, et après, une fois que j'ai déterminé un peu les contours et la nature de mes intuitions, une fois qu'elles se précisent, après, je trouve des moyens pratiques de pouvoir y parvenir, et les moyens pratiques, ça va justement générer du travail. Qu'est-ce que je vais travailler à la flûte pour pouvoir arriver à telle ou telle sonorité? Qu'est-ce que je vais travailler pour... Voilà, c'est un travail de conscientisation des éléments par lesquels je peux matérialiser une vision claire et définie de pas mes objectifs, mais en tout cas mes envies, quoi. Très intéressant. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous visualisez dans votre tête ce que vous voudriez obtenir, et après, vous mettez en place les moyens pour arriver à matérialiser ça dans la matière, en fait. Hein. C'est ça ? Oui. Tout ça en utilisant votre introspection pour arriver à voir ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir. Mais ça, c'est juste par rapport à vous-même, ou c'est par rapport à un groupe qui est autour de vous, ou les deux? Alors le groupe, il y a eu plusieurs groupes là en ce moment. Les groupes, c'est des rencontres, mais en fait, quand on porte des projets personnels. Dont on se veut être le garant. Les groupes, ils influencent parfois on va choisir des musiciens, mais c'est pas on va pas dire que je compose de la musique pour des gens. C'est plutôt je m'entoure de gens qui se retrouvent et qui sont en résonance par rapport à la musique que je propose. Complémentaire avec vous. Ouais. Voilà. Je suis j'écris pas vraiment de la musique en pensant, mais parfois je vais prendre quelqu'un dans mon groupe parce que je sais à l'avance que ça va ou le prendre à contre-pied ou en tout cas l'intéresser. Ouais. Mais quand vous dites que vous écrivez, c'est-à-dire que vous écrivez littéralement des partitions, ou vous donnez juste les guidelines, les grandes lignes du type. Pardon. On va jouer en clé de, je sais pas moi, clé de sol, majeur. Comment ça? En général, j'écris tout, ouais. Vous écrivez tout. Ah ouais, d'accord. Ouais. Genre ouais, sur une partoche, vous faites ça à l'ordinateur maintenant, ou vous faites ça à la main? En général, je fais ça à la main, mais mes partitions, elles sont pas très. On va dire que c'est. En général, j'ai un vocabulaire musical, enfin dans la musique, qui se rapproche un peu plus de la. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je vais dire parce que quand même il y a une dimension très très pointue entre guillemets, voilà. Mais ça se rapproche plus de la pop que du jazz finalement. Disons que c'est très rare que je compose avec. Des thèmes qui sont très longs avec plein de notes, etc. Souvent, en fait, j'écris tout dans ma musique, mais la façon dont je vois la musique, c'est plus la combinaison d'éléments simples, mais qui sont
qui sont étrangement assez, enfin, qui mettent en jeu une difficulté qui n'est pas forcément la difficulté de l'exécution des éléments qui la composent, mais c'est plutôt la de faire ensemble les choses simples que je donne à chacun. D'accord. Voilà. Mais parce que j'ai un côté aussi flemmard, j'aime bien. Moi, j'aime pas, par exemple, les projets où je dois lire plein de textes, où il y a plein de mélodies à lire, plein de trucs techniques et tout. Moi, je préfère réserver l'aspect technique à l'improvisation. Par exemple, un improvisateur, quelqu'un dont je sais qu'il est très très technique, je vais pas forcément lui donner des choses techniques à jouer. Je vais lui donner des choses simples. Mais je sais que dans les passages où il va être en charge d'improviser, ouais. Bah, je sais que là, sa technique va faire la différence, par exemple. Donc, vous laissez voilà. Des espaces aux gens pour aussi avoir leur propre créativité. Et... Bah, c'est du jazz. Donc, en fait, j'écris la musique, j'écris tout, mais dans cette écriture, qu'on comprend de toute façon l'espace de la parole personnelle. Voilà. Alors, il y a un autre... Merci pour ces explications, c'est fantastique. En fait, je n'avais pas vraiment tilté que vous étiez aussi complètement compositeur, quoi. Donc, merci de le clarifier. Donc, évidemment, vous êtes enregistré à la SACEM, oui. Je suppose. Oui. Mais il y a un autre truc aussi qui me plaît beaucoup dans votre interprétation. Et donc, là encore, je fais référence à Ron Kerr qui fait ça aussi beaucoup avec le growl. C'est que vous intégrez beaucoup aussi la voix dans vos interprétations. Et alors, ce qui est fou, c'est que vous avez en fait une tessiture qui peut monter très, 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 très haut pour un homme. Enfin, je veux dire, pour un homme et une femme, d'ailleurs. D'ailleurs, vous nous aviez fait, je me souviens, c'était très agréable, durant le concert au musée du Quai Branly, il y a 2 ans, vous aviez fait un espèce de partie de ping-pong avec le public, et donc vous nous faisiez, répéter les notes, et même pour une femme, c'était, des fois, c'était très élevé, quoi. Alors, moi, la question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que c'est venu, ça, le travail sur la voix? Et est-ce que ça vous avez une tessiture, je pense, de, enfin probablement vous êtes peut-être pas une voix de basse, mais une voix de baryton. Donc comment ça vous fait pas mal quand vous montez tellement dans les hauts comme ça, dans les octaves super hauts pour un homme? Bah, en fait, ça me ça vient d'où? Non, mais c'est vrai, c'est incroyable de monter aussi haut pour un homme. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est assez répandu en vrai. Mais c'est peut-être pas super. C'est peut-être pas les voix qui sont le plus en avant dans. Ça, peut-être que les autres hommes n'assument pas. Etc. Mais en fait, j'ai jamais eu de travail sur la voix. Ah ouais. Donc je me fais pas mal parce que je fais jamais quelque chose. Tout ce que je fais à la voix, c'est moi qui décide de le faire. Je ne fais pas de musique ou alors je le fais très rarement, mais en général la voix, c'est quelque chose que je laisse libre de toute ingérence ou c'est pas sur commande. Si on me dit tiens oui je voudrais que tu viennes faire un truc sur ma musique et si on me demande oui c'est de la voix, là je dirais que je promets pas, non, c'est enfin, je viens pour faire de la flûte. Okay. Si jamais je le sens, je fais de la voix, mais que voilà, c'est que je voilà, je c'est pas sur commande. Non, et pour moi non plus, c'est pas sur commande, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu que la voix ça reste quelque chose qui soit en dehors de toute discipline, j'ai voulu que ça soit quelque chose qui se construise vraiment que par l'expérience, par l'accumulation de sensations. Voilà, j'ai jamais eu de questionnement technique, sauf dernièrement parce que justement je devais faire un truc dans un projet où je devais chanter et j'avais la voix assez fatiguée. Et j'ai demandé à une amie mezzo-soprano de me donner des conseils.
assez généraux, tu vois, pour, vous voyez, pour chauffer la voix, pour la relaxer, pour la préparer un peu. Ah bien. Vous avez de la chance que vous n'ayez jamais fait de, justement, d'extinction de voix, etc. Parce que si vous avez, enfin, et puis c'est bien d'avoir demandé avant une pro. Ben parce que si je sens pas, je fais pas. Donc pas. En fait, je me suis jamais fait mal à la voix parce que j'ai pas, il y a personne qui me force à faire quelque chose qui risquerait de me faire mal. Moi, j'ai pas envie non plus de me pavaner à faire des choses au-delà de juste pour montrer que je chante haut, je vais pas chanter haut, quoi. Ok. Donc, je vais pas faire mal. Non, mais bien sûr, vous mettez pas votre ego là-dedans. Mais enfin, non, ça fait très beau. Ça rajoute vraiment quelque chose de spécial et de très. Mais dans le travail, justement, du growl, comme on appelle ça, moi, je. Ce qui m'a intéressé, c'est justement, c'est de développer vraiment, d'essayer de développer plus le côté polyphonique que vraiment le growl. C'est pas. Bon, ok, ça c'est d'accord, on met la voix, mais ce qui m'intéresse plus, c'est. Où il y a plus vraiment le truc de. Mais c'est tellement. C'est différent. C'est vraiment. C'est votre style à vous. C'est vraiment particulier. C'est fantastique. Je voyais aussi que maintenant vous vous êtes donné des cours aussi dans votre CV que maintenant vous avez décidé aussi de transmettre. Et en général, vous transmettez à qui ? C'est des petits jeunes ou c'est des gens qui ont quand même pas mal déjà d'expérience de bouteille ? Alors, ça a commencé, on va dire que vraiment, l'événement qui a fait que j'ai dû commencer à faire aussi une introspection par rapport à la pédagogie, c'est le fait d'avoir été sollicité pour enseigner au pôle supérieur d'Aubervilliers. D'accord. Au pôle sup de jazz, musique actuelle, bref. Et avec, il y avait Boyan Z et Vincent Segal au début. On était un peu les trois profs un peu de ce nouveau pôle sup. C'est qui les deux autres, pardon, je ne les connais pas. Vincent Segal et Boyan Z. C'est des grands flûtistes? Non, c'est un violoncelliste et un pianiste. Ah, d'accord, merci. Et donc, on avait, chacun un peu une orientation. Boyan, il était plus sur, c'est un pianiste extraordinaire qui, donc il était plus sur le jazz, on va dire entre guillemets le répertoire jazz et les techniques d'improvisation reliées plutôt à la tradition. Vincent Segal était plutôt sur le ce qu'on appelle le répertoire, donc ça pouvait être autant du choro brésilien que David Bowie, etc. Donc un travail très sérieux sur tout ce qu'engage ces musiques-là. Et moi, j'étais plutôt sur un atelier avec des moyens non académiques,
des approches non académiques, en fait, pour pouvoir parfois traiter des éléments de musique qui sont enseignés dans un cadre académique. Et moi, je proposais des moyens détournés parfois de voir les choses. Bon, bref. Bien. Et là, j'ai eu des élèves, bon, ben, qui étaient au conservatoire, qui avaient suivi des cursus de jazz. Okay. Donc, c'était des ateliers, hein, c'était des ateliers avec plusieurs instruments différents. Donc, c'est pas forcément des flûtistes. Il y a eu des flûtistes, mais très rarement d'ailleurs. Mais donc ça a duré pendant 4 ans. Donc ça a duré pendant 4 ans et pendant 4 ans, 4-5 ans, j'ai enseigné. Après, j'ai été sollicité par l'American School of Modern Music pour venir enseigner aussi chez eux. Super. Chez eux, pendant 1 an, j'ai fait aussi un atelier où on faisait, voilà, je proposais de travailler certains de mes morceaux ou alors certaines approches, etc. Et puis, en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Ah. J'ai réalisé qu'il y avait un problème et que ce problème, il fallait justement que j'en fasse, que j'y réponde par justement une proposition pédagogique. Ok. Et donc maintenant, j'enseigne toujours, donc principalement à l'American School of Modern Music. Ouais. Et j'enseigne quelque chose que je suis en train de développer, qui est pratiquement là, bon, dont les contours sont déjà bien définis, mais dont les éléments pratiques sont toujours en train d'être finalisés. Quelque chose que j'ai appelé basique musique. Mais c'était quoi le problème, si je puis me permettre? C'était quoi l'idée? Alors, le problème, c'est que c'est alors. Ça serait. Sans entrer dans le. Ouais, en fait, c'est simple et compliqué. En fait, la façon dont s'est présenté le problème à moi, il est le suivant. C'est que dans mes ateliers, on n'arrivait jamais à faire ce que je proposais. Ah mince. Alors que j'avais l'impression de proposer des choses très simples. Ok. Et c'était voilà. Dû à quoi ça? Ben justement, c'est ce à quoi j'ai dû répondre. Et donc, je réalisais que j'avais en face de moi des élèves qui arrivaient à restituer des choses très compliquées dans les autres disciplines. Mm-hmm. Ils étaient capables de jouer des morceaux de Frank Zappa, de jouer des standards, voilà, de jouer des morceaux qui demandaient une grande technicité, une grande connaissance de la musique, etc., une grande sensibilité, tout ça. Et moi, à mes cours, quand je demandais parfois de faire un truc tout bête, voilà, on va... Non, mais même tout bête, tiens, on va jouer un morceau, c'est 5 mesures de 5 temps, et puis, de temps en temps, on va marquer un truc précis dans ces 5 mesures-là. Et puis, bon, voilà, on va jouer ça. Je vais te donner une petite phrase rythmique. Tu vas la jouer. Puis après, tu vas faire des variations dessus. Et puis, voilà, des choses simples. J'avais plus personne, quoi. C'est-à-dire que on n'y arrivait pas. Parce qu'il fallait faire c'est pas parce qu'il fallait faire de l'improvisation et que ces jeunes-là, ils n'ont pas l'habitude. Non, il fallait faire de l'intériorisation. Il fallait être capable d'intérioriser des choses, et d'installer un dialogue que la musique, ça soit pas la restitution de quelque chose, mais ça soit un dialogue entre quelque chose qui existe en soi et soi-même. Ça, c'est nouveau, ça, pour tous ces petits jeunes, enfin, tous ces étudiants, je suppose. C'est pas un truc qu'ils avaient déjà fait dans le passé, non? Ben, peut-être pas exprimé de façon très condensée, comme ça, et très cadrée, de se dire, bon, ben, maintenant, on va définir trois aspects essentiels, trois axes essentiels autour desquels se développe l'expression du musicien, quel que soit son niveau. Mmh. Alors, je n'aurais pas rentré dans les détails là, mais donc il y a 3 aspects essentiels qui vont articuler des pratiques
musicales qui ne sont pas instrumentales. Elles peuvent être instrumentales, mais donc dans le cadre de mes cours, on est sans instrument. On fait avec les mains, le corps, la voix, etc. D'accord. Et on fait des pratiques qui, des pratiques instrumentales qui sont censées justement solidifier en fait le musicien dans des bases qui sont très simples, qui vont permettre aussi au musicien de se définir lui-même, de voir quel type de musicien il est, et de pouvoir lui faciliter aussi ses trajectoires une fois qu'il a quitté l'école, de se dire bon, ben, c'est vrai que moi je suis plutôt un musicien de ce type-là, donc je vais plutôt aller vers tel type de choses, sans écarter évidemment les autres choses qui pourraient toujours m'apporter quelque chose, mais en tout cas, enfin voilà, donc j'appelle ça basic music parce que justement c'est une pratique très basique, ouais, mais qui peut être très difficile, très ouais. compliqué. Parce qu'il faut être en, il faut s'écouter quoi, pas que. C'est un des aspects, c'est ça, c'est de pouvoir effectivement. Mais bon, voilà. Okay. Donc là, oui. Donc là, j'enseigne ça. Et puis de temps en temps, ça m'arrive de donner des cours, de suivre quelqu'un. À la flûte. Voilà. Ouais. Flûtement. Mais ouais. Bon, après, ça dépend aussi de. C'est pas à la commande. C'est est-ce que j'ai l'impression de pouvoir être utile à la personne ou pas, en fonction de ce qu'elle veut. Alors il y a pas beaucoup, hein, mais j'ai suivi pendant quelques années une flûtiste mais qui venait du coup vraiment pour pouvoir avoir des clés sur la façon dont moi je faisais des clés sur comment moi je faisais. Mm-hmm. Voilà, et qui voulait comprendre mon vocabulaire, etc. pour pouvoir en faire quelque chose de personnel, mais il y en a d'autres qui vont plus venir me voir je trouve qu'il y a plus de flûtistes femmes que d'hommes, mais j'en rencontre plus en tout cas, et je pense que c'est parce qu'il y a plus de femmes qui font de la flûte, c'est pas... ouais. J'ai l'impression, hein, mais bref, mais c'est pas du tout une étude sociologique, ni donc ça ne vaut que pour mon petit périmètre personnel, c'est pas une généralité, et mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des flûtistes qui vont venir me voir, par exemple parce qu'ils sont en train de travailler les standards, etc., et qu'ils aimeraient avoir éventuellement peut-être voir comment moi je travaillerais un standard ou comment moi je ferais. Donc c'est pas forcément. Donc ça m'arrive de suivre un peu, voilà, comme ça, des flûtistes sur une période donnée, sans me dire que je vais forcément les amener quelque part, etc. C'est juste, voilà. Très On bien. Va dire que je vois la pédagogie comme ça. Je vois pas la pédagogie comme un truc. Allez, je vais te voir toutes les semaines, toutes les deux semaines, hein, on va faire comme ça. Un peu du coaching aussi, pour ça, en ces cas-là. Oui, voilà. Mm. Voilà. Alors, ma dernière question, c'est what's next? Quelle est la suite? C'est quoi la suite pour vous maintenant? Ben, de la flûte, de la musique. C'est comme le début, quoi. Je vous souhaite que le plus vite possible, vous puissiez recommencer aussi tous les concerts, etc. Parce que oui. C'est vrai que les artistes tels que vous et les interprètes, ils en ont beaucoup souffert, hein, avec la possibilité de faire du live pendant 2 ans, là, presque. Donc, je vous souhaite que Oui. Après, j'imagine que c'est plus dur pour... c'est plus dur pour les jeunes musiciens qui... Parce que justement, le passage sur scène, c'est hyper important. Enfin, c'est un peu comme le passage au four et à l'enclume pour le forgeron, quoi. C'est-à-dire que un outil, ça se forge à coups de marteau et sur l'enclume et au four, quoi. Donc ça c'est la partie concert, en fait. Et bon, moi, je pense que j'en souffre un peu moins parce que j'ai fait déjà plein de concerts.
et que et qu'on va dire, je pense que la facture de ma musique dépend moins maintenant du concert que ça a pu l'être à une époque. D'accord. Ça intervient moins dans l'évolution de ma musique ou de ce que je fais. Il y a beaucoup de musique écrite. What next? Déjà la nouvelle flûte. La découvrir et puis découvrir ce dont elle a envie aussi. J'ai l'impression par exemple que c'est une flûte qui a envie. Là, par exemple, c'est une flûte qui a envie beaucoup plus de silence, moins de notes. C'est pour ça. Vous ayez ce dialogue avec la flûte. Quand je la joue, j'entends aussi qu'il y a des choses qui viennent plus naturellement qu'avec l'autre flûte, et donc ces choses-là, c'est des choses que elle veut. Fantastique. Parce que sinon, moi, j'imposerais juste ma façon. Donc là, je vois, par exemple... Tu as une personnalité, dis donc. Ouais, je pense, comme le bois qui va être sculpté par le sculpteur qui a des veines. J'ai jamais pensé à ça, mais... Dont il doit tenir compte. Très bien. Je pense que la flûte... du coup, là, je suis en train... Quand je la joue, je l'écoute aussi pour voir vers quoi elle m'amène. Et là, elle m'amène vers un discours beaucoup plus, on va dire, vocable, comme ça, où les phrases musicales ressembleraient plus à des... de sectionner plus les phrases en mots, en petites phrases successives, parce qu'elle aime bien les petits silences. Elle supporte bien aussi les notes courtes qui sont... Enfin, ouais, elle supporte bien les césures, en fait. D'accord. Voilà. Donc il y a ça, il y a l'écriture aussi, parce que je travaille, c'est une partie de la musique, vraiment de la musique écrite, pas forcément improvisée. Comme disiez, ouais. Voilà, What next? Il y a le prochain disque de la plateforme Cafrobeat. C'est un disque de musique d'obédience, un mélangé Afrobeat et antillaise. Mais alors ça, moi, je voulais vous dire, Malik, ce serait vraiment bien que vous mettiez tous vos albums, parce que j'ai vu sur votre beau site internet que vous sur Spotify, parce que moi, ça fait des années que j'ai un abonnement chez Spotify, et donc j'ai copié tous mes CD, ok, et je les ai mis sur mon hard drive de mon MacBook. Et après, j'ai donné à un organisme de charité en Angleterre qui s'appelle Oxfam, je les ai tout donné en fait, et aussi à mon père. Ok. Oui. Malheureusement, il est mort quelques jours après, mais enfin, bon, c'était c'est une autre histoire. Mais enfin, donc moi, j'ai plus de CD, et donc maintenant, j'écoute la musique que sur Spotify. Et aussi donc sur Apple Music, parce que j'avais enregistré tous mes CD que j'avais, tous les Roland Kirk, vos CD à vous, etc., entre autres. Et donc après quand je vais sur Spotify, j'essaie de trouver tous vos CD, tous vos albums, ils y sont pas tous et ça m'énerve. Et donc c'est vrai que là j'espère le prochain là sur la musique antillaise et africaine, j'espère qu'il sera aussi sur Spotify. Si vous avez un manager, faut lui dire mais mets tout ça sur Spotify. Deezer aussi, mais Spotify c'est plus gros quoi. Ouais, mais moi je crois que en fait je suis pas hyper concerné par les moyens de diffusion. Ah bon? Parce que je... Non. Mais pourquoi? Vous avez pas remarqué que la culture américaine, c'est des produits du contenu moyen, qualité moyenne, mais par contre, leurs canaux de distribution sont fantastiques, quoi. Entre les Netflix, les HBO, etc., ils sont super bons dans la distribution, mais en général, leur contenu, c'est pas, voilà, quoi. Mais alors vous êtes complètement l'opposé. Vous êtes comme les Japonais, c'est-à-dire un produit fantastique, mais les canaux de distribution. Parce que je pense que l'information ou la chose ou la va toujours là où elle doit aller, et des fois, ça prend. Ah, mais faut alors, aider.
Ouais, faut aider dans un monde où les choses doivent aller vite et tout de suite. Mais en fait, quand on regarde les partitions de Jean-Sébastien Bach, sont arrivées quand même 300 ans plus tard ou 200 ans plus tard. Elles sont quand même arrivées finalement à être à ce qu'elles soient hyper généralisées maintenant. Alors que bon. Donc, si on voit à court terme, on se dit oui, bon ben voilà, les disques ils sont pas, etc., etc. Mais il y a au moins une personne Non, qui aurait mais moi, pu je ne vous trouver. parle pas de votre postérité, vous l'avez acquise, Mais votre moi non plus, postérité. moi non plus, moi Mais non moi, je plus. vous parle de pouvoir écouter Magic Malik quand je fais mon jogging dans Regent's Park ou autour dans le parc des Batignolles quand je suis à Paris, vous voyez. Et Voilà, j'ai mon donc c'est. iPhone, j'ai mes AirPods, et là, en général, ce que je fais, c'est que je vais sur Spotify pour aller trouver le bon album. Moi, vous voyez, je suis pragmatique, moi. Oui, non mais c'est vrai aussi, mais c'est vrai aussi que ben, il y a parfois certaines choses qui sont pas accessibles. Je les laisse faire en fait, je laisse Mais alors c'est clair. Mais vous ouais, devriez l'exiger dans le contrat! mais après ça dépend aussi. Je vois par exemple avec 1111, le label avec lequel j'enregistrais pas mal des projets récents. Il y a un travail qui est très sérieux qui est fait par rapport à tout ça. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, je fais ce que j'ai à faire. Puis quand c'est fait, je suis heureux que ce soit fait. Et après, je laisse la chose faire son chemin, y compris chez les gens, dans le cœur des gens et dans voilà, mais y compris aussi dans le monde quoi. S'il y a un disque qui doit arriver nulle part et qui finit juste dans un iPod ou dans une armoire, ou etc., et qu'ensuite il va être redécouvert par quelqu'un qui va le redécouvrir par hasard et qui va le réécouter, qui va dire, ah, tiens, c'est quoi ce truc-là? Ou alors qu'il va pas pouvoir l'écouter parce qu'il sera complètement détruit, mais qu'il restera juste un morceau, mais peut-être, enfin voilà. Moi, c'est même pas une question de postérité, au contraire, c'est de dire que les choses, des fois elles sont pas accessibles, et des fois elles sont accessibles par hasard, et des fois elles sont accessibles par des moyens détournés, des fois elles sont accessibles tout de suite. Donc voilà, j'ai pas trop de. Je me dis que des fois on peut faire quelque chose et ça peut disparaître le lendemain, mais ça aura quand même existé. Bon. Donc ça continue quand même son chemin, même si c'est pas chez Spotify, même si c'est un chemin qui arrive dans l'oreille de personne, ben ça Ouais, fait quand même dommage. un chemin. Oui, ben c'est dommage pour les oreilles des gens qui auraient pu l'écouter, mais Quand est-ce qu'il va c'est pas. sortir alors cet album de musique africaine slash antillaise, Mali? Il y a trois albums qui sont en préparation là. Il y a celui-là de la plateforme Cafrobeat. OK. Il y a le prochain disque de la Fanfare XP. Ah, très bien. Et il y a le prochain disque de la Jazz Association. Ah Voilà, oui, avec ça c'était des lequel. reprises, n'est-ce pas? La Jazz Association, c'était des reprises où vous faisiez des En interprétations. fait, c'est. Très Bah, en bien, fait, j'ai bien aimé c'est celui-là. pratique. C'est pratiquement le premier disque que je fais où c'est un disque justement de répertoire. C'est Moi. pas un disque qui est basé sur mes morceaux ou ma musique. C'est bien, Et ça change. J'ai bien aimé la voilà. première, le premier tome, entre guillemets, le premier album. Ok. Ben Ouais. là on est sur le deuxième. Voilà. Vous n'aviez pas une batteuse à un moment dans vos différents enregistrements de vos XP qui était une femme? Vous n'avez pas une batteuse femme? Je regardais sur le CD, il y avait marqué le nom où le Non. batteur, c'était une femme. Non, vous n'avez jamais eu de... Peut-être au sax ou... Non. Non, c'est au mélodica, la flûte. Dans la Ah. Fanfare XP, il y a une flûtiste et D'accord. une enfin, elle fait du mélodica, mais à la base elle est pianiste, hein. Okay. Et sinon, à la batterie, non. Ok. Non, c'était des albums que vous aviez fait il y a 10-15 ans hein, dont je vous parle. Ah, ok. Mais en tout cas, merci beaucoup, Ça ne dit rien. Malik, merci. Eh ben, merci. Ça m'a fait super Merci. plaisir de vous parler. Franchement, vous êtes un des musiciens que j'admire le plus. Ben, ça me fait plaisir. Thank you for listening to our podcast Lawfully Creative, produced by Crefervie Studios.
Subscribe to our podcast or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our curated content. Thank you.